Aujourd'hui, je viens pour vous solliciter votre bienveillance et votre générosité à l'égard du Chabad Côte-Saint-Luc, une institution qui, Bor Hachem, se distingue parmi toutes nos institutions communautaires, dans une magnifique communauté, beaucoup de belles choses se passent, mais il y a une cheville ouvrière derrière tout ça, et on doit le reconnaître, c'est un être exceptionnel, ou plutôt un couple exceptionnel, c'est le rabbin Raskin et son épouse, Sarah Raskin. Hachem les bénisse, on a la force de continuer, ben Messirut Nefesh, qui font un travail, une abnégation complète de soi. Ils sont là entièrement pour la communauté, pour les plus démunis, pour tous ceux qui ont besoin, dans tous les cycles de la vie, pour les camps, les colonies de vacances, le Chinour, le Kollel, l'éducation juive. Combien ce couple et ce Chabad Côte Saint-Luc donnent à notre communauté. Aujourd'hui, à Karatatov, on se doit de retourner ça. Et retourner ça, c'est pas parce qu'on va s'appauvrir, au contraire. C'est une autre façon de s'enrichir. On sait très bien que le donateur bénéficie beaucoup plus que le bénéficiaire. Donc à nous de gagner de cela. On générera évidemment la bénédiction matérielle, spirituelle, la bracha complète. C'est même la rectification de nos fautes. C'est même avoir nos prières entendues grâce à cette tzedaka. Et Bezrat Hashem, ce Chabad Côte Saint-Luc, en aidant le Chabad Côte Saint-Luc, on aide des générations entières à venir. Il y a un impact, une répercussion extraordinaire qui est faite sur notre jeunesse et sur le reste de notre communauté. Alors investir sur le Chabad Côte Saint-Luc, c'est le meilleur retour sur investissement. On ne peut pas espérer un meilleur retour sur notre argent. Et comme dit Akash Bourou, testez-moi sur la Tzaka. Sur le Rabbi Menachem Mendesh Nathan de Lubavitch, et c'est magnifique d'une institution qui est dirigée dans l'initié où tu appartiens au tzadik, et ça c'est très important. Alors tous ces paramètres font en sorte que c'est une très belle tzedaka, c'est une très belle cause, et en vérité on investit sur nous-mêmes. Voilà, en deux mots, merci Rabbi Raskin, merci la Rabbanit Raskin pour nous donner cette opportunité, et on vous souhaite une immense succès. Merci.